De moi, comme il est on vous connaît, mais vous, vous ne connaissez pas. Il est important que quand on fait une chasse, de savoir par qui on va être notifié, compte rendu, etc., etc. Donc on va se présenter rapidement. Venez là, Roméo. Je pense que les chiens ont lancé, ils prennent un parti. C'est la première, le premier lâcher. Le temps a l'air clément, ça se lève un petit peu. On a eu de la pluie cette nuit, donc la voie est bonne. Les pisteurs ont fait ce qu'il faut. On a des lâchers pour toute la journée. J'espère qu'il va y avoir un bon déroulement pour tout le week-end. Cette finale nationale, bon, elle a été un peu tirée à l'arrache, comme on va dire, parce qu'il n'y avait aucun département français qui voulait la prendre. Nous, on l'a pris parce que bon, on y tient à ce qu'il y ait une finalité quand il y a des départementaux, des régionaux et une nationale. On l'a fait dans 2 mois qu'une finale, ça se prépare pratiquement dans 1 an. Donc ça a été réunion sur réunion. Et ça se passe sur un territoire à peu près de 10 000 hectares. Il y a 5 communes et 8 dianes qui y participent. Il y a à peu près pas loin d'une centaine de bénévoles qui évoluent pour faire la logistique, l'aspect chasse. C'est un gros investissement pour nous, pour le coin, pour réaliser cette finale nationale. Ça part de 300 mètres de le plus bas Saint-Gervais et ça monte sur Castanet à 1100. Donc il y a pas mal de dénivelé, c'est de la semi-montagne. Mais très vallonné, très difficile. On va vous présenter un lot de chiens fabrication maison. Nous, tous les chiens, on les a élevés chez nous. C'est les chiens de l'origine de mon père. Voilà. Et en fait, on y a travaillé dessus depuis des années. Bon, vous voyez, les couleurs ne sont pas forcément homogènes, mais bon, nous, ça nous convient. Il y a 2P, Pépito et Pastis, le blanc. Pépito, c'est celui qu'a Jérémy là-bas. Après, il y a DR, il y en a 4. Il y a Réglisse, il y a Roxy, il y a Ruby, il y a Rita, la bleue. Et après, 3S, Sumo, là. Cybelle, Carobin et Chippy, voilà, que tient Max. Bonjour, moi, Elfres, j'ai 16 ans. Je suis en chasse accompagnée. Voilà, je chasse pour les chiens et voilà pour le plaisir de la chasse. Donc je remercie tous ceux qui ont organisé le concours, que ce soit les juges, ceux qui viennent nous voir, les supporters. Voilà, et surtout voilà, mon père et mon grand-père qui m'ont appris la chasse. Car pendant l'année scolaire, je ne peux pas à côté de vous. Besoin pour les juges, on sera sur le lieu découplé pour l'instant. Chippy, viens! Venez là! C'est dur pour lui, tu viens sécher après. Là.
sur la menée, ça a été. Après, le rapprocher, il va me manquer. Voilà. Et après, le pays est rude. Ouais. Et bon, on a fait ce qu'on a pu. Il nous manquera un peu de rapprocher, c'est dommage. Et je pense qu'il y a pas mal de sangliers aussi, donc c'est compliqué de faire des longs rapprochés, je pense. Mais après, si, il y a un sacré territoire. Sacré territoire. On s'est amusé. Je pense que si on veut faire des belles menées, il faut avoir des chiens rudes physiques. Mais bon, on s'est qualifié, puis après la passion des chiens, quoi. Voilà, donc du coup, après, on a eu un brin de chasse d'être sélectionné pour aller à la finale. Bon, on avait fait pour moi une meilleure chasse à la régionale. Alors on a fait, une menée correcte, mais bon, voilà, après la passion des chiens, c'est primordial. C'est pas forcément la chasse, c'est le chien courant, c'est tout. La chasse, le prélèvement, c'est... On s'en fout, quoi, entre guillemets. Après, nous, on essaie de les éduquer, que les chiens nous écoutent, de créancer les chiens sur la voie de l'animal. Et c'est le but aussi de ces concours, quoi. Et c'est vrai que quand on y arrive, on est content. Voilà. Mais après, pour faire des belles chasses, il y a aussi le brin de chasse qui fait que la chasse sera parfaite. Alors là, sur la présentation, j'ai vu que c'est de père en fils. Vous êtes chasseur de père en fils. Exactement, ouais. C'est une passion. On a toujours vécu avec des chiens et on peut pas s'en empêcher. Puis bon, j'aime autant éduquer mes enfants avec la passion des chiens que plutôt les voir errer dans des rues. Moi, je pense que c'est très, très important. Très important. Yeah. La transmission de certaines valeurs ou... Oui, exactement, oui, tout ça c'est les traditions, la passion du chien, la passion de la nature. Voilà. Pas forcément la passion du prélèvement parce que ça nous est égal. Mais surtout la passion du chien, de la nature, et puis de cette harmonie qu'on a avec la nature, avec le chien et le gibier. Et on rencontre des belles personnes, des passionnés, des gens qui sont passionnés autant que nous, et puis on apprend avec ces gens-là. Parce qu'il faut pas, on apprend tous les jours. À croire qu'on a vraiment la science infuse et on apprend avec des gens comme ça et qui par un échange et c'est important de participer à ces concours. Les chiens avaient entamé un rapproché, ils étaient groupés 7 ou 8, ça allait bien. Et là, manifestement, ils ont du mal à trouver une voie claire. Ils sont arrivés plus vite que ceux qui repartent, donc là, ils sont bien en défaut. Il y a une difficulté particulière là dans le terrain ou quoi? Non, a priori, non, il y a de l'herbe et tout. Non, au contraire, ça aurait dû passer facile. A priori, mais bon, la chasse reste la chasse. C'est pas un aléa, c'est un peu commun, un défaut, ça arrive mille une fois, quoi. Voilà. C'est un défaut un peu banal, commun, quoi. Ici, il y a une très forte population de mouflons, et comme ils disent, tant que c'est pas vu, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et là, ils insistent là-dessus, parce que les mouflons ont la faculté de pousser les chiens à la faute, même des chiens qui sont bien dans la voie du sanglier, peuvent partir sur le mouflon, d'une façon inexpliquée, alors qu'ils connaissent cette voie, mais un jour, tout le monde peut s'emballer sur le mouflon. C'est des animaux qui attendent bien la meute et tout, et ils sont curieux et ils se laissent pousser, quoi. Voilà. Là, la meute a beaucoup de difficultés à prendre le pied. Il y a un chien qui est parti loin devant. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Une partie des autres suit. Mais les conducteurs, ils ont du mal à les faire rallier. Donc c'est
C'est un pied difficile pour des chiens qui viennent de la Sarthe et le milieu ne leur convient pas forcément. Après, on a vu un chevreuil, ils ont eu l'air de le respecter, là, c'est un bon point. Et on va essayer de suivre, là, les conducteurs n'ont pas enquillé derrière les chiens de tête, ils descendent dans le vallon, ils vont peut-être trouver une autre voie, parce qu'ici, des sangliers, il y en a. Ça me donne envie de passer le permis. En fait, c'est plutôt la convivialité qu'il y a le week-end, qui donne envie, l'approche surtout, l'approche avec le chien le matin, de pouvoir aller regarder les traces. Aujourd'hui, je réfléchis à passer le permis. Il y a quand même plusieurs femmes qui chassent, il y en a de plus en plus, et aujourd'hui, ça ne me dérange pas d'être dans un milieu masculin. Au contraire, en plus j'ai un petit garçon et du coup lui qui est attiré aussi par ce milieu-là, donc c'est quelque chose qui ne me dérange pas. C'est aussi pouvoir passer du temps avec mon compagnon, bien sûr transmettre les valeurs aux futures générations. C'est perpétuer du coup le mélange de générations aussi. C'est ça qui est bien aussi, c'est que les anciens nous apportent leur savoir et nous le transmettent et nous on essaye de leur amener nos compétences. Comme on est jeune, on est un peu plus... La forme, voilà, ça fait un bon compromis. Ce que nous voulons faire à la fac, c'est promouvoir la belle chasse, la chasse pour le plaisir, la chasse pour le chien, en mettant peut-être le prélèvement au second plan. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand moi je rencontre un collègue et quand on discute chasse, je ne lui demande jamais ce qu'il a tué, mais je lui demande comment il a chassé. Et ça, je trouve que c'est très significatif de l'esprit qu'on veut absolument promouvoir au niveau de la foule. La chasse chez Courant dans l'Hérault, c'est une chasse d'abord de passionnés. Nous avons un département avec des biotopes qui s'y prêtent. Beaucoup d'animaux, beaucoup de sangliers, ce qui rend compliqué l'épanouissement du chien. Nous avons aussi d'autres animaux donc, dans la nature qui rendent encore plus compliqué. On vient de faire une finale nationale à FAC et tous ceux qui étaient là ont pu le constater. La chasse chien courant attire beaucoup de jeunes. Il faut avoir quand même la santé physique pour suivre les chiens. C'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée pour des passionnés de chasse dans ce genre de manifestation. On voit beaucoup de jeunes, ce qui surprend d'ailleurs. C'est dommage que ceux qui souvent s'opposent à la chasse ne viennent pas dans ce genre de manifestation parce qu'ils pourraient voir qu'on a beaucoup de monde qui se rassemble au moment de convivialité des échanges de diverses régions. Et c'est juste pour l'amour du chien, du travail du chien. C'est encore plus captivant et plus joli, disons, pour les meutes, parce que là, quand même, on est sur Castanello, on est quand même sur le territoire du Mouflon où il a été implanté en 1956. Et c'est une grosse population qu'il y a sur la commune. Donc venir lâcher, faire un découplé de chiens pour la fac, la finale sur ce secteur, c'est quand même une prouesse énorme de la part des conducteurs de chiens et surtout pour les chiens, pour rester fidèles sur la voie du sanglier. Bien sûr que c'est extraordinaire parce qu'on est dans un pays encore à peu près protégé au niveau touristique. On n'a pas trop une affluence de monde qui soit sur le secteur. Là, vous voyez, on est sous un panneau, il y a Castella derrière moi. C'est l'emblème de la commune. C'est sûr qu'on voit les concurrents aujourd'hui qui arrivent de toute la France et qui arrivent dans un paysage magnifique comme ça, qui est le massif du Carreau de Spinouse. C'est sûr que là, on peut avoir le souffle coupé. C'est énorme les retombées, surtout financières, pour les hébergeurs qui sont sur le coin, parce qu'il y a une foule mémorable de participants qui sont là. Donc aujourd'hui, je suppose que tous les gîtes du coin, à 20 km à la ronde, tout est plein. Donc c'est, au niveau financier, c'est quand même énorme, surtout en cette saison, en basse saison. Là, c'est un mélange de culture, un mélange de chasse, un concours comme ça. Ben oui, c'est un mélange de genre, on discute et on échange, et surtout des modes de chasse. Parce que nous, ici, sur Castanello, on a la chance d'avoir le mouflon, comme je disais tout à l'heure, mais on pratique la chasse au sanglier, au chien courant. On chasse le mouflon en battu spécifique au mouflon. Et ensuite, on a une troisième section au niveau de la CCA de Castanello qui est la chasse à l'arc. Et on a des archers qui pratiquent 90% de leur chasse et sur le mouflon. Donc c'est quand même phénoménal d'avoir ces trois chasses sur la commune. Le GIEC, c'est un groupement d'intérêt d'environnement et cynégétique. Ça regroupe 11 communes autour du massif du Carreau d'Espinouse. Nous, en tant que GIEC Carreau d'Espinouse, notre vocation, c'est la chasse au mouflon uniquement à l'approche.
Donc on fait tirer le mouflon pour les sociétés, avec les bracelets des sociétés qui nous donnent. Et là, bien sûr, on prend des chasseurs de l'Hexagone, des chasseurs européens qui viennent. Et puis depuis peu maintenant, on a des chasseurs américains et canadiens qui ont découvert notre territoire depuis deux saisons. Le GIC, ça va faire bientôt 70 ans qu'il est créé. Donc il est reconnu européen, on ne va pas dire mondialement, mais bien que les Américains nous connaissent maintenant, c'est une grosse structure. Nous, dans les roues, je vais dire dans les roues, parce que je suis persuadé que c'est ça, 90% c'est la chasse au sanglier. Vous avez vu le monde qu'il y avait au rendez-vous du départ, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des dames qui nous chassent de plus en plus, qui suivent, pas forcément avec une arme, mais qui suivent les chiens, et de plus en plus, on voit des petits jeunes qui sont là, habillés en kaki ou en chasseur en fluo, et ils suivent leurs parents ou leurs grands-parents pour l'amour du chien. C'est surtout sur ça, l'amour du chien et surtout l'amour de la chasse. Qu'on soit chasseur ou accompagnant, c'est phénoménal et c'est bon pour l'avenir de la chasse en général. Le premier chien que j'ai acheté, j'avais 16 ans, et c'est son oncle qui me l'a vendu. Et mon père m'a dit, t'es cabour d'avoir acheté un chien. Et celui-là, par contre, je ne l'ai jamais regretté, parce que ça a été une lumière. Ça a été mes yeux de la chasse. Et ça a été lui qui m'a appris le 80% de la chasse. C'est pas moi qui ai appris la chasse, c'est lui qui m'a appris la chasse. Et quand je l'ai perdu, eh bien, ça a été une très grosse souffrance. Toute ma vie, ou presque, j'ai été derrière les chiens, pas devant. Donc à partir du moment où vous êtes derrière les chiens et pas devant, ben, les sangliers, vous ne les voyez pas. Hein. Quand moi, j'ai chassé, que j'étais piqueur, ben, des sangliers comme aujourd'hui, il n'y en avait pas. Hein. Il y avait très peu de sangliers. Quand j'ai commencé à chasser, moi, on tuait 5 ou 6 sangliers par sortie, par saison. Et puis à commencer, je me rappelle, l'année où on en a tué 11. Oh, qu'est-ce qu'on était fort, qu'est-ce qu'on était bon. Sinon, les plus belles journées de chasse, je crois que je les vis maintenant. Parce que c'est mon fils qui conduit les chiens. Parce que moi, je ne peux plus. Je ne peux plus mettre un pied devant l'autre. Pour peu que cela continue, je serai obligé d'arrêter. Mais j'ai transmis cette maladie, si on peut appeler ça une maladie, pour certains, c'est une maladie, à mon fils. Et j'en suis extrêmement fier. Et aujourd'hui, justement, on a fait suivre nos deux petits-enfants. Ce que l'on voit aujourd'hui ici, c'est la passion des chiens. Parce que des gens qui ont traversé toute la France avec des chiens pour venir les faire concourir ici, au niveau de la chasse. Et quand on arrive à voir le gibier, ben c'est du tonnerre. Mais moi, je suis fait partie de ceux-là qui pensent qu'une jolie partie de chasse vaut plus que d'avoir fait un gros tableau. Parce que quand vous avez fait un gros tableau de chasse qui a 10 sangliers de mort, pour moi, ce n'est pas une jolie partie de chasse. C'est une jolie partie de chasse quand vous avez toute la journée poussé des sangliers, sans même les tuer, quoi. Mais la chasse aux sangliers, c'est que de la traque. Hein. Sans la traque, hein, vous n'avez pas de sangliers au boss. Hein. Parce que ici, dans nos montagnes, surtout maintenant, parce qu'à l'époque, il y avait des animaux, parce que moi, je suis un fils de paysan. Donc on avait des troupeaux et ça nettoyait les montagnes. Maintenant, il n'y a plus rien, il n'y en a plus aucun. Et les montagnes, ça ne nettoie pas. Donc les sangliers, ils sont partout chez eux. S'il y en a autant, et s'il se tue autant de sangliers dans le coin, ici à Saint-Gervais, 120, vous, combien? Autant? 130, 140 hein? Nous, 70 à Saint-Geniès, c'est une petite équipe. Donc regardez un petit peu les sangliers qui se tuent rien que dans le coin. J'ai vu, je ne sais pas si tu l'as vu toi aussi, mais aux informations, il se serait tué 800 000 sangliers en France. Je ne sais pas si c'est exact, si c'est pas vrai. Alors imaginez-vous, 30 secondes, ceux qui veulent nous interdire la chasse, que ces 800 000 sangliers, on les laisse effacer les petits. Eh bien, si on les laisse sur un an ou sur deux, ben, je vous garantis d'une qu'ils viendront nous chercher. Parce qu'ils vont nous manger. Oh, un secret de chasseur. Ah non, non, non. J'ai pas la prétention d'avoir un secret de chasseur. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que vous entendez par secret. Aller les chercher, aller faire les pieds, aller faire les... Non, je ne pense pas avoir de secret de chasseur. Maintenant, le secret du chasseur, c'est un chasseur qui va le matin, au jour, chercher les pieds. Il est capable d'aller avec... des chiens, d'aller les sortir de là où ils sont, c'est d'en tuer quelqu'un, et quand vous arrivez au local, c'est de sortir le couteau de la poche et de l'épeler. Parce que ça fait partie du chasseur. Si vous n'êtes pas capable de l'épeler, vous n'êtes pas capable de les manger non plus. Hein.
Et ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait d'un bout à l'autre. Bon, en raison de plus, parce que j'étais ce que l'on appelle chez nous un boucher de tradition. Et le boucher de tradition, ce n'est pas le charcutier, parce que là, on a le charcutier. Moi, j'étais le boucher de tradition. J'étais le gars qui allait d'une maison à l'autre, dans les villages, et on tuait les cochons pour toute chaque famille. Et c'est pour ça qu'après, ben, j'ai été un petit peu plus doué que les autres avec le couteau pour les dépecer. Mais on m'a laissé faire quand même. Hein. Très rarement, on est venu me tirer le couteau de par les doigts. Sur une messe à Saint-Hubert, parce que quand même Saint-Hubert c'est le patron des chasseurs, avec les trompes de chasse, c'est magnifique. Le seul petit absentisme qu'il y a eu, c'est les chiens, c'était la malédiction des chiens, d'ailleurs le curé me l'a fait remarquer. Mais bon, on a capité un dimanche très pluvieux, on avait un manque d'accompagnateurs sur les concours, ces accompagnateurs devaient venir avec des chiens, c'est ce qui a manqué un petit peu, et c'était la cerise sur le gâteau, mais bon, voilà, ça s'est terminé un petit peu qu'avec les trompes sans les chiens. Il faut bénir les chasseurs. Ah, les chasseuses, je ne sais pas comment on dit. Les chasseresses. C'est la finalité un peu d'une aventure commencée entre amis par une départementale. Donc bon, vous avez entendu Florian Léger qui nous a quittés. Et on a, pour lui, pour sa mémoire, pour son engagement, et on a voulu faire le maximum, donc on s'est qualifié en régional. Et c'est vrai que la veille de son décès, ben, il nous avait annoncé qu'on était qualifié à la régionale. Donc la régionale déjà nous tenait particulièrement à cœur. Et on a dit, ben, puisqu'on est en national, on va essayer de faire le maximum. Alors c'est une récompense pour nous, pour nos chiens. Et ses chiens aussi, c'est en priorité, on pense à lui et à eux. Voilà, après on sait très bien, on est les premiers aujourd'hui, et le week-end prochain on peut être les derniers, on va pas prendre la grosse tête. Hein. On sait ce que c'est que la chasse,
Mais évidemment que c'est une satisfaction pour nous, voilà, pour notre travail, et puis on est toujours content de faire une bonne prestation, et puis voilà. Et on a rencontré des gens sympas, de la convivialité, voilà, des rencontres qu'on n'oubliera pas, et puis évidemment un week-end inoubliable pour nous. La finale nationale 2023 est terminée. Nous avons donné le classement du 3e au 1er, en sachant qu'il y avait 16 concurrents. On ne classe pas du 4e au 16e, tout le monde est 4e. Je pense que c'est une bonne initiative. La fête a été très bien. Un équipage qui a perdu un collègue récemment, il y a moins de 6 mois, ils faisaient chasser leur chien ensemble. Ils ont pris leur chien parce qu'ils ont été qualifiés en régional et ils sont venus gagner la finale nationale. Je trouve que ça c'est une émotion pour tout chasseur qui se respecte et qui se doit. On prend soin des chiens de notre, moi-même ça m'est arrivé, c'est quelque chose de fabuleux. Et je sais que c'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé chez moi, Castanet, quelqu'un que j'ai gardé avec moi pendant 3-4 mois, qui était atteint d'un cancer et qui savait qu'il allait partir, que je prenais ses chiens pour lui faire chasser. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui là, c'est quelque chose de fabuleux. Et ça prouve bien que ceux qui aiment les chiens et ceux qui nous les transmettent, ils font confiance à qui ils leur donnent. Maintenant, c'est fini. On m'a tiré un trait sur ce qui s'est passé, malgré que ça a été très éprouvant. Parce qu'une finale nationale, c'est très fort, en sachant que nous, ça fait 4 finales qu'on fait. La première finale, sanglier, une lièvre, une lapin, et maintenant la seconde finale nationale. Il ne faut jamais dire jamais, mais il faudra laisser la place à quelqu'un d'autre s'il veut prendre le relais, parce qu'on commence à fatiguer. C'est vrai qu'on a l'habitude de ce genre de choses, mais là, ça fait maintenant pas mal. Donc, moi, je dis bon vent à ceux qui prendront la suite et à ceux qui s'occuperont de ces choses-là sur le département de l'Hérault. Merci et à tous.